Ce 16e dimanche, 18 juillet 2021 de l'année liturgique B, a été fortement marqué dans l'archidiocèse de Brazzaville, entre autres, par les festivités du 60e de la chorale Ngunga, paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Mouléké, dans le 5e arrondissement Wenze-Brazzaville. La messe d'action de grâce pour ce jubilé de diamant a été présidée par l'abbé Donatien Bizabounou, vicaire épiscopal chargé des vocations et porte-parole de la curie, ancien curé de cette paroisse qui dans son homélie invite les choristes à plus d'amour comme le bon berger. L'image du berger et de ses brebis symbolise l'intimité entre le pasteur et ses brebis, entre Dieu et son peuple. Et c'est nous tous censés représenter cette bergerie en tant que berger ou en tant que brebis. Saint Augustin a bien dit « Qui bene cantat bis orat ». Chanter, c'est prier deux fois. Chanter, c'est faire correspondre son cœur aux paroles que nous chantons. Chanter, c'est vivre cette symbiose, cette osmose entre Dieu et nous. Et en tant qu'acteurs liturgiques, nous avons ce devoir de faire prier les autres. Notre chant n'est pas seulement une musique qui bourdonne, c'est une prière qui s'élève à travers les belles mélodies que nous exécutons. L'occasion a été tout indiquée pour le renouvellement des engagements des choristes au service de la liturgie. Pour manifester notre engagement dans notre vie de la cité, nous choristes de Ngunga devons conformer notre vie aux exigences de l'Évangile, animer nos célébrations liturgiques avec foi et conviction. De notre Église aux côtés des responsables de l'Église. Prélude à cette célébration des 60 ans, plusieurs activités ont été menées par la chorale, comme le rappelle le curé de la paroisse, abbé Maurice Misère Guénoli. Un tridoum a été organisé pour lancer les activités marquant le 60e anniversaire de la chorale. Et nous avons terminé ces tridoums à la montagne du cardinal Émile Biaïnda. Un concert de chants religieux avec les chorales sœurs venues de quatre coins de la ville de Brazzaville a été organisé également. La chorale a fait un don de vivres à la maison Sadisana chez la sœur Eliane à Massengo. C'était pour la chorale Ngunga une manière de rendre visite à l'abbé Donatien Djambou, qui a été curé de cette paroisse. Tout ceci était dans le but de communiquer à tous la joie du 60e anniversaire de la chorale Ngunga. En pareille circonstance, le président de la chorale, Félix Tchangana, est monté au créneau, bannissant l'inertie pour s'exprimer ainsi qu'il suit. Oui, frères et sœurs, notre joie est profonde parce que ces 60 ans sont pour nous, pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs, pleins de souvenirs, heureux, mais quelquefois aussi douloureux, comme dans la vie d'un être humain. 60 ans qui ont produit beaucoup de fruits, comme on l'a dit au sein de la chorale, mais que ces éloges ne nous amènent pas à l'esprit de suffisance, à l'orgueil. Oui, 60 ans aujourd'hui et après. Les 60 ans doivent être pour nous un temps de prise de conscience, un nouveau départ.
un temps de réflexion sur la mission qui est la nôtre, celle de faire prier le peuple de Dieu à travers des chants bien exécutés. Une cérémonie riche en son et en couleur à la taille de la grande chorale Wunga, nantie de ce palmarès. Vraiment, l'ambiance a été au beau fixe.